quelqu'un. En espérant que nos vies ne deviennent pas un éternel demi-vin. Début 2020, notre frère est tombé dans le coma. Il vient de se réveiller, du coup il n'est pas au courant de l'existence du Covid. La chance. Et de Weshden. La chance. Il y a un mois, le gouvernement a décrété la mise en place d'un couvre-feu à 18h. Et ce week-end, ils nous ont demandé de l'appliquer. Moi je vis en résidence étudiante, on passe la journée dans nos chambres, on n'a plus de cours en présentiel, et puis on n'a pas le droit d'être dehors après 18h. On a un peu l'impression d'être en prison. Sauf qu'en prison, ils peuvent avoir des petits boulots. Bonsoir monsieur, vous savez quelle heure il est ? 18h07. Donc vous avez une attestation ? Mais c'est vous qui bloquez le périph' ! C'est sûr que c'est compliqué de respecter le couvre-feu, monsieur ! Pour pas qu'il ait envie de sortir de l'appartement, on a enregistré des fausses émissions de radio. Cette semaine, dans le Masque et la Plume, nous parlerons d'Ala 3, la suite d'Ala 2. Qu'est-ce qu'on a bien pu encore refaire au bon Dieu ? Et du nouveau porno d'Abdelatif. Allez, bon, c'est pas cette semaine que je vais retourner au ciné. Pour nous, une bonne information, c'est une information qui est vue. Et c'est encore mieux si elle est vraie. Après l'énorme succès du jeu MeToo, on vient de sortir son extension, Inceste. Alors moi, je suis asexuel et aussi je suis en couple depuis 2 ans. Asexuel, c'est une orientation sexuelle qui fait que je n'ai pas de désir sexuel. Je ne suis pas animé par une quelconque envie. Alors que moi, au début, je pensais juste que c'était un mec bien. MeToo édition Inceste, c'est un jeu d'enquête, de discussion, de débat, dont le but est de débusquer le coupable autour de la table. Un jeu à jouer entre amis et surtout en famille. Lui là-bas, c'est notre data journaliste. Avec son algo et en fonction des tendances du moment, il nous crée des titres sensationnalistes, mais également inattaquables. Alors, on a quoi aujourd'hui ? Après avoir reçu une dose de vaccin Pfizer, il est victime d'inceste. Ouh. Bingo. Pour les cartes au rôle adulte, on s'est inspiré des règles du loup-garou. Donc ça parle beaucoup, ça discute, ça débat. Pour les cartes au rôle enfant, en revanche, on s'est inspiré des règles du roi du silence. Le jour se lève sur la maison de vacances, la famille se réveille, et c'est Mustapha qui a été touché. Oh non. Allez, à vous de trouver le coupable. Ici la police, le fratrie est cerné. Soit vous avez une attestation, soit vous payez une amende de 135 euros. Bon bah là, je me suis fait choper. Et je me console. Comme les stations de ski sont fermées, ça me rappelle un peu le prix de mes courses quand j'allais à l'Alpe d'Huez. C'est pas une orientation nouvelle, c'est juste qu'on a enfin mis un mot sur une réalité. Le fait de nommer les choses, ça permet de rendre visible un phénomène qui existe depuis longtemps. C'est comme les femmes battues avant, on appelait ça les femmes. Le CBD, c'est parfaitement légal, parce que c'est sans substance psychotrope. Alors ouais, c'est moins fun, mais bon, il y a une clientèle pour tout. C'est comme les bières sans alcool pour les femmes enceintes, ou le sexe sans orgasme pour les femmes tout court. Pour économiser les jeux d'alcool, on les fait avec de l'eau. Du coup, on pisse autant qu'avec de la bière, mais on a moins mal à la tête. Bonsoir monsieur, vous avez une attestation. Et voilà, je vais travailler. Vous travaillez dans quoi ? Banque de nuit. Et ça là, c'est pour quoi ? Ça, c'est pour un gros client. Et cette tranche de gouda ? Disons qu'il ne restait plus de post-it. Allez, cache-toi là. Je n'ai jamais eu de pensée suicidaire. Pardon. Pour le CBD, comme pour la weed d'ailleurs, on utilise les fleurs des plantes femelles, parce que c'est elles qui font le plus d'effet. Dans le monde du chanvre, c'est les femelles qui tabassent le plus. Je travaille pour une grande entreprise pétrolière qui avait à cœur de redorer son image. Pour la mixité, ils m'ont nommée à la tête de l'entreprise. Et pour la lutte pour le climat, ils ont mis 3 ficus dans le hall. Il y a certains politiques qui nous critiquent, qui nous disent qu'on se plaint trop et qu'on ferait mieux de se comparer aux générations de 1917 ou 39-45. Peut-être, mais au moins, eux, après la guerre, ils trouvaient du taf. Où est-ce que vous vous voyez, par exemple, dans un an ? Est-ce que vous comptez déménager ? Est-ce que vous avez un petit amoureux ou... Je suis stérile. Bienvenue. J'ai de la chance. Vous êtes dans la boîte. On hésitait entre vous, un homme... Non, mais c'est super de soutenir les femmes comme ça. Surtout, vous ne comptez pas adopter ? Ah, certainement pas. Je déteste les enfants. C'est génial. Tu avais quel âge, Mustapha ? Est-ce que tu peux prouver clairement que tu n'étais pas consentant ? Parce que t'avais pas dit non. Mais j'ai pas dit oui non plus, en fait ! Il y a certaines règles qui sont encore un peu floues, mais pour ça, on s'est inspiré du débat actuel. C'est lui ! Mais non ! C'est grand-père, putain ! Non ! Non ! Ça va pas, tu mens ! Menteur ! On aimerait lui dire la vérité, mais on n'a aucune idée de comment il réagirait s'il apprenait qu'une pandémie mondiale paralyse le monde depuis un an, qu'il y a une explosion du chômage et de la pauvreté, et que la température moyenne de la planète se dirige vers une augmentation de 4 degrés à la fin du siècle. Quoi ?
j'aurais fait pareil.